On prépare un truc, oui, manifestement. On prépare un CD. On vaquait à nos petites affaires, nos petits tracas, nos petites colères, contre les trains jamais à l'heure. Et puis voilà que c'est la guerre, et puis voilà que c'est la guerre, le monde a changé de couleur. On connaît les années difficiles qu'il y a eu. J'avais un petit peu perdu le fil de l'écriture. Puis j'ai rompu le sortilège et de mes doigts courts, j'ai pris l'oiseau dessus la neige. Son cœur battait comme un tambour. J'ai senti trembler sous mes doigts le frisson d'un presque poème et dans le rythme de mes pas l'écho d'une chanson foraine. Le monde est vivant, ma page s'invente, je chante. Et puis petit à petit c'est revenu, et le désir de réécrire est revenu. Et bah, qu'est-ce qu'il fait un chanteur quand il a un lot de chansons comme ça? Bah, il les enregistre. Ça gronde, gronde dans Paris, et que veulent dans ces furies? Ces viragos, ces sauvageonnes font presque peur à leurs maris, mais de leur discours ils sourient. Dans les clubs, elles s'époumonnent. Voyez un peu ces effrontés qui réclament les qualités. Ce sont de nouvelles chansons, il y en a des très récentes, certaines que j'avais déjà, qui avaient déjà vécu leur vie à Saint-Julien-Molamolette. Le monde est carré entre les piquets de mon petit pré. Le monde est en ordre, au bout de sa corde, le chien peut vous mordre. La vie est là, simple et tranquille, comme disait Verlaine en prison. Votre seul crime est immobile, obéir au cours des saisons, obéir au cours des saisons. Je fais retourner en chant les chèvres, m'asseoir sur le talus, avec la vieille dame au chapeau de paille qui fait taille taille. Allez les biquettes qui fait. On a une idée maintenant de comment ça sonne. Et ça. Tant qu'on ne l'a pas éprouvé devant un public, c'est le pari des choses. Faire un disque et même de la scène, c'est toujours une aventure collective. Dans un grand mouchoir, plier la mémoire.